Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Alors, comment ça va aujourd'hui? On commence avec des anecdotes du ouf. Je me présente, moi je suis Croaky et c'est la chaîne Croaky et Stocky pour les meilleures anecdotes. Alors, on commence. Deux blondes discutent. La première blonde dit à la seconde: cette année, Noël tombe un vendredi. Oh, mais j'espère que ça ne sera pas le vendredi 13, répond la deuxième. Nicolas Sarkozy et François Hollande se retrouvent dans un avion. François Hollande ouvre la porte de l'avion en plein vol et jette un billet de 500 euros. Je vais faire une personne heureuse. Nicolas Sarkozy sort son porte-monnaie et jette 50 billets de 10 euros. Je vais rendre 50 personnes heureux. Et là, le pilote se retourne et leur dit: moi, j'ai juste 2 cônes à jeter par le fenêtre et je ferai 60 millions de personnes heureuses. Un homme va acheter un jouet à sa fille et demande à la vendeuse: combien coûte la Barbie de votre vitrine? La vendeuse lui répond: laquelle? Nous avons Barbie au fitness pour 19,95 euros. Barbie joue au volleyball pour 19,95 euros. Barbie fait des courses pour 19,95 euros. Barbie va au travail pour 19,95 euros. Barbie va danser pour 19,95 euros. Barbie divorcée pour 265,95 euros. Tout étonné, l'homme demande: mais pourquoi la Barbie divorcée vaut-elle à 265,95 euros alors que tous les autres ne valent que 19,95 euros pièce? La vendeuse lui répond: monsieur, la Barbie divorcée est vendue avec la voiture du Ken, la maison du Ken, le bateau du Ken, les meubles du Ken, l'ordinateur du Ken et un ami du Ken. Sur un vol à destination de New York, le chef du cabine contrôle les billets et s'aperçoit qu'une belle blonde s'est installée en première classe avec un billet en classe économique. Il a pris donc de bien vouloir rejoindre sa place en place économique. La blonde refuse catégoriquement. Je suis belle, je suis blonde et je vais à New York. Pour éviter un scandale, le chef du cabine demande au copilote d'intervenir. Mais la blonde ne veut rien entendre. Je suis belle, je suis blonde et je vais à New York. Le copilote s'adresse au commandant du bord qui le reçoit. Oh, je suis mariée à une belle blonde et je connais les mots qu'il faut dire. Il se rend auprès de la passagère, lui parle à l'oreille et la blonde va enfin à la place qu'elle a réservée. Alors, le copilote dit: c'est miraculeux, commandant, que lui avez-vous dit? Je l'ai dit que la première classe se posait à Dallas. Et voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mes amis. Et donc,
On se retrouve la prochaine fois pour les nouvelles anecdotes. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est juste en haut en cliquant sur le lien. Bah, je vous remercie beaucoup et à très très bientôt. Au revoir!